Bonjour, je m'appelle Nabil Jomani Ousmane et je suis le fils de Mamie Yvette Poudoum Jomani et Papa Ousmane Boubakari. Avant de commencer, je vais juste dire pardon, mon français c'est pas vraiment bien, mais j'ai parlé en français avec grand-mère Mamie Jaka, alors je vais faire cette testimonie en français. Quand j'avais juste 7 ans, grand-mère est venue en Australie pour nous rendre une visite. Elle m'avait accompagné au Madison pour une examination. Quand j'étais là, je devrais avoir une vaccine. Et j'ai commencé à pleurer parce que j'étais vraiment peur. Elle m'a vite tapé, elle m'a dit d'arrêter de pleurer. Quand le vaccin était fini, elle m'a dit de ne pas être peur de petites choses comme ça, parce que je suis avec Dieu. Elle m'a dit que si je reste avec lui, il n'aura pas de problème dans ma vie. Mamie Jaka est un grand-mère fort, mais vraiment gentil. Son décès m'a laissé vraiment trouble, mais j'espère qu'elle reste bien maintenant. Repose un peu, grand-mère, je t'aime beaucoup. Bonjour, tout le monde, c'est Yaya, fils de Mamie Yvette et Papa Ousmane. Je vais essayer de parler en français parce que pour moi, tous les temps, quand je parlais avec grand-mère, on est parlé en français. Alors pour moi, grand-mère est toujours une bonne motivation. Si c'est l'école, le foot ou après une opération, je sais que grand-mère est toujours là de dire à moi que tout va aller bien se passer. Et elle m'a motivé, elle m'a toujours motivé de devenir la meilleure version de moi-même. Sa personnalité gentille et attentionnée, ça reflétait transvers à ses enfants. Elle s'est adoptée par moi et mes soeurs, mon frère et toutes les personnes qui sont connectées avec grand-mère. Maintenant, elle nous regardait en haut avec les étoiles, mais je suis convaincu que son âme gentille et attentionnée sera transmise à les prochaines générations de Jomani à venir. Reste en paix, grand-mère, je t'aime beaucoup. Bonjour. Je m'appelle Awa Yachwa Jomani Ousmane. Je suis l'enfant de Maman Yvette et Papa Ousmane. Je voulais vous dire des mémoires que j'avais avec grand-mère Mamie Jaka. Quand j'étais toujours petit, grand-mère est venue du Cameroun pour s'occuper de moi et pour aider maman. Je me souviens quand j'étais au Cameroun, je regardais des films, je parlais avec elle et je faisais des dessins avec elle aussi. Quand j'étais au Bafoussam, je dormais avec elle dans le même lit, je parlais avec elle beaucoup et au dîner, je m'asseyais à côté d'elle tous les jours. Quand j'ai revenu de Canberra, pour tout ce temps, je faisais des appels vidéo avec elle presque tous les soirs. Je l'aime beaucoup et je sais qu'elle me regarde maintenant en haut. Repose en paix, Mamie Jaka. Je t'aime beaucoup. Tu viens.